Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'opération Liberté pour l'Irak, qui a commencé en mars 2003 et qui finalement s'est terminée par l'anéantissement du pays. Alors, les États-Unis en sont à la deuxième guerre contre l'Irak. N'oubliez pas la première guerre contre l'Irak en 1991. Ils avaient complètement aplati le pays de bombes. Les bombardements alliés continuent avec la même intensité sur l'Irak et le Koweït. Tirs quotidiens de Tomahawks pour l'US Navy et plus de 2000 sorties par jour pour les avions de combat de la coalition. C'est au total 1400 avions de combat US, du B-52 au F-117A invisible, qui décollent de 30 bases en Arabie Saoudite, aux Émirats, en Égypte, en Turquie, à Chypre, dans l'océan Indien, et de 6 porte-avions en mer Rouge et dans le Golfe. 10 000 tonnes de bombes toutes les 24 heures, l'équivalent de ce que les Allemands recevaient en 15 jours durant la Seconde Guerre mondiale. Et nous voici en 2003, et en 2003, les États-Unis accusent Saddam Hussein. Ils prétendent maintenant que Saddam Hussein a des bombes atomiques, les fameuses ADM, armes à destruction massive, ce qui est complètement faux. Il y a pas mal de pays qui s'opposent aux États-Unis, car ils savent très bien, que toutes les preuves montrées au Conseil de sécurité, etc., etc., à l'ONU, sont fausses. Que c'est une manipulation des conservateurs américains pour essayer de s'approprier l'Irak et les pétroles irakiens. En Europe, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne suivent également les États-Unis. En mars 2003, ils envahissent l'Irak. Près de 20 ans plus tard, il y a encore la guerre en Irak. Ce qu'ils ont déclenché en mars 2003 est complètement monstrueux. Alors, il ne faut pas oublier que cette intervention a fait le lit, si l'on peut dire, de l'État islamique. Car c'est dans les prisons irakiennes et américaines que se sont rencontrés tous les meneurs irakiens de l'État islamique. Alors, il faut vous dire que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une règle pour la presse est appliquée. Les journalistes qui ont le droit de suivre l'armée américaine sont des journalistes accrédités, mais choisis. En effet, les États-Unis ont tiré des leçons de la surmédiatisation de la guerre du Vietnam. C'est fini, ils contrôleront absolument tous les médias. Les journalistes embarqués devront signer une clause de confidentialité et montrer ce qu'ils envoient à leur chaîne. Moi, une solution me tend les bras. On me propose de partir avec des jeunes Français vers Bagdad via Damas en Syrie. Ceux-ci vont apporter de l'aide médicale, des médicaments, des vivres à des hôpitaux irakiens. Moi, je fonce. Arrivé à Damas, nous sommes plutôt bien vus par le régime. Il faut vous dire que le président Assad a condamné l'agression américaine en Irak. Alors, il faut quand même rappeler que le parti Baas existe en Irak,
le parti de Saddam Hussein, et le parti syrien est un parti basse. Nous arrivons à la frontière, du côté irakien, plus personne, absolument plus personne. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur les forces spéciales américaines qui nous fouillent, nous demandent où on va et nous laissent aller. Il semble n'être qu'une poignée. Fouille de voiture. On nous déconseille d'aller plus loin. Les forces de la coalition ne pourront pas nous protéger dans ce no man's land, qui est le long ruban d'autoroute qui nous mène à Bagdad. Des bandes de pillards ont été signalées et ils ont ainsi mis à sac de nombreux convois d'approvisionnement américains. C'est maintenant un très très long ruban de bitume qui est devant nous. Près de 800 km nous séparent de Bagdad. Sur les côtés de la route, des chars calcinés. Mais pas seulement que les chars. Des bus qui certainement ne transportaient pas des militaires. En fait, nous ne voyons que des traces de bombardement et de strafing d'objectifs qui ne sont pas apparemment militaires. Puis des carcasses de chars encore fumantes de l'armée irakienne et, dans les faubourgs de la capitale, voici la machine de guerre américaine. Avec ses chars Abrams en position et ses hélicoptères de combat. À Radio France Internationale, une nouvelle tombe. Bagdad est finalement tombé sans livrer bataille. Les généraux fidèles à Saddam ont passé un accord avec les Américains. Les troupes de la garde présidentielle qui devaient combattre se sont évaporées. Bagdad a capitulé. Bagdad est envahi par les troupes américaines. Nous arrivons enfin à Bagdad. Le centre international olympique irakien est complètement détruit. La ville groule d'ambulance. En fait, les combats ne sont pas terminés. Des unités de Saddam ont refusé de se rendre. Tous les ministères irakiens sont en feu, sauf le ministère du pétrole. Incroyable. Et oui, il faut vous dire que le pétrole est un des moteurs des conservateurs américains. Ils ont voulu aller en Irak pour ça. Le lendemain matin, dans la rue, plutôt grouillante d'habitude, personne. Un peu plus loin, un camion citerne. Des Irakiens autour se pressent. الماضي خان خلي يفتحوها ما يصير هيك وضع ما يصير هيك وضع يا احنا ما قاعد نلقى بازي خان مفتوح وقاعد نجي على الغازيات اللي مال الجيش Les civils sont bien entendu les premières victimes de la guerre. Ici, on attend des heures pour un morceau de pain. على الاكل على الشرب العالم كلها سرى واقف من الصبح لهسه بلد ضل فطور لهسه من الصبح لهسه ما بصير جيبوا اكل جيبوا صمون جيبوا للعالم وفروا للعالم وفروا كهرباء الماي كلها وفروها كلها وفروها
يوفروها. شكرا. يعني من الصبح لهسه احنا واقفين على الصمون، من الصبح لهسه واقفين على الصمونه، ما بصير والله. Plus loin, des gens hurlent. Des ambulances sont stationnées sur le côté. Les GI sont tirés. Une voiture s'est arrêtée dans un périmètre interdit, mais non signalé par l'armée américaine. came here and kill them. مثل ما يقول ما دام يدري هو من انا ممنوع مثل يوقف، ليش ما يقول له ممنوع اطلع؟ ليش يضرب عليه طلقات؟ يعني انا وشنو يعني يريد يخوفنا؟ احنا اكبر واحد ما يخوف العراقي. The whole city they are just coming and killing people. ما يقدر ينتحر عليهم. والله والله والله. Ils ont tiré sur des Irakiens. Et pourquoi ont-ils tiré? Pourquoi ont-ils tiré sur des civils complètement désarmés? Eh bien, ils ont tiré parce que la voiture qui a été hachée par les mitrailleuses était en zone interdite. Or, il n'y avait rien qui indiquait que cette voiture était en zone interdite. What's American? American what? Army and shooting and kill people, anything. What is do to Iraq? Building? Building is telephone. Telephone is anything. What's America? Un jour après l'arrivée des GIs dans Bagdad, les gens n'en peuvent plus déjà. Nous essayons d'aller à l'hôpital central pour y amener vivres et médicaments, les sentinelles nous y empêchent. Sentinelles américaines, mais pourquoi? Parce que l'hôpital a été réquisitionné par l'armée américaine. Plus aucun Irakien n'a le droit de venir se soigner dans cet hôpital qui est le seul à pouvoir soigner les gens d'une façon convenable. Nous nous rabattons sur un autre hôpital de Bagdad. Et là, nous sommes accueillis d'une façon extraordinaire. We need peace. We need medicine. We need the people understand us. Understand these people. No matter of war. We don't want war. Yes. We tired from war. We don't need television. We need electric. We need dawa. I don't the meaning of dawa. We need everything to all people. And you welcome to in your country, Iraq. Le directeur de l'hôpital me reçoit. Il a des problèmes avec des pillards. There is no law and order in Baghdad. There is no government. You don't know which law we follow. So we made our own laws inside our hospital. That's why you see my gun here, my bullets here. I'm cleaning my gun. You are not protection from American army? No. No protection. Well, if that's what's available to keep us on treating patients, I will accept it. Yeah, I know. If that's what's available. Mm-hmm. حرامي يدي يبقون أموال العالم لا أكثر ولا أقل. دي
dans une salle un peu à l'écart, des enfants qui ont été exposés aux munitions à base d'uranium qui ont été tirées en 1991 par, je vous rappelle, la coalition dont la France était. Plus tard dans la soirée, une explosion nous secoue. Cela vient de l'autre côté de la ville. Nous nous y précipitons. C'est un quartier entier que les Américains ont détruit. Why they saw this region? This region not army. Les démineurs de l'oncle Sam ont fait sauter un dépôt de munitions sans prévenir les habitants des alentours. Bilan, une dizaine de morts. Mais ce dépôt de munitions était au milieu d'un groupe d'immeubles et les habitants n'ont pas été évacués. Le quartier est complètement détruit. Il y a plus d'une dizaine de morts. Là, la rage, la haine. C'est ça que je vois en cette fin de premier jour à Bagdad. La rage, la haine, l'incompréhension. دام خلي عوف الشعب كافي دمر الشعب جوع قتل سلب نائب ليش على مود ايش على مود نفط احنا بكل الاحوال صار 30 سنه مستفادين من النفط خلي ياخذ النفط هذا ابو شيد النفط خلي ياخذ النفط كافي جعنا صار لنا شهر قاعدين لا اكل لا شرب لا ما نشتغل خلي تركونا في واحد يبوك من الله الكهرباء قل على الكهرباء بوش العراق بذمتهم العراق بذمه بلير العراق بذمه بوش العراق بذمه العرب العراق بذمه بوش بوش بلير ارهاب هذا بلير صور هذا هذا هاي الحريه اللي يريدوها هاي الحريه هاي الحريه هذا احتلال ارهاب هاي الحريه يريدوها هذا حريه العراق هذا هو بوش وصدام وبلير ارهاب بوش صدام ارهاب صحوا بوش وصدام ارهاب بوش وصدام 20 ans plus tard aujourd'hui leurs bases américaines en Irak sont toujours attaquées. Près de 20 ans plus tard, il y a encore la guerre en Irak.